Parce que l'art et la culture innovent aussi loin des villes, le magazine Champs Libres explore les initiatives étonnantes au cœur des campagnes de la Nouvelle-Aquitaine. Fête des sottises, ou comment les arts de la rue s'emparent de la petite ville de Salis-de-Béarn. Des deux côtés de l'Atlantique, deux photographes revisitent l'identité basque, à découvrir dans notre rubrique Vue. Connexion au bout du monde avec le festival de musique de Ginsac et son chef américain. Rencontre en Creuse avec le Land Art plein de délicatesse de Marc Pouillet. Dans la rubrique Lu, la folle histoire de Félix Arnaudin, un roman sur le plus emblématique des photographes landais. Avec le festival Traverse, dans le Haut-Val de Sèvres, oubliez le conte traditionnel et laissez-vous surprendre. Champs Libres, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine, ça commence. Le temps de quelques jours, au mois de juillet, la petite ville de Salis-de-Béarn se métamorphose en scène à ciel ouvert. Rues, places, jardins deviennent l'épicentre d'une multitude de spectacles en tout genre et pour tous les publics. Fête des sottises ou comment partager la culture avec le plus grand nombre. C'est un mot qui me ramène en enfance sur les premières émotions, les premiers émois, les premières transgressions. En fait, on a fait une adaptation du roman qu'on a adapté à la base pour un jeune public, mais finalement, on fait plus jouer avec des enfants que le contraire. On fait ce qu'on appelle une salade, c'est-à-dire qu'on invite du public à venir jouer en scène certains des rôles. Un chef de mine. Alors, vas-y, crie plus fort que tu peux. Vas-y, crie. Oh. Attends, les gars. On va d'abord demander à chacun son tour. Refais-le. Ah ouais. C'est vraiment un spectacle en connexion constante avec le public. Ils font même monter des enfants pour jouer les personnages de Germinal. En fait, ils font travailler les enfants. Je trouve que ça a été un beau moment et quelque chose d'à la fois pédagogique, intelligent et profond. Et donc, tout en humour. Donc ça, c'est précieux. Voilà, c'est précieux d'avoir des spectacles comme ça. En fait, c'est une œuvre qui est universelle. Mais en France, elle a un vrai impact profond. Ça fait vraiment partie de votre histoire. Merci, madame. Merci, monsieur. Merci à vous. Bravo, maître. Merci, madame. Merci, monsieur. On a décidé de s'implanter à Salis-de-Béarn parce que c'était un bel écrin pour accueillir un festival Art de la rue. Et on avait vraiment le souhait de développer un projet en milieu rural. Les arts de la rue nous semblaient vraiment propices pour aller à la rencontre de la population locale parce que justement, il y a peu d'infrastructures. Donc nous, on investit l'espace public, l'espace de chacun, l'espace commun. Cet spectacle, il raconte en fait la survie après avoir vécu un génocide. Nous avons passé les jours à compter les morts. Combien de jours avant qu'on me compte moi? Qui va rester pour me compter? Pourquoi revenir si je suis la seule qui revienne? Pourquoi on y va? C'est une danse tout en cadence, tout en violence. Pour moi, c'est une danse de mort-vivant. Et la beauté, elle se cache derrière tout ça, en fait. Mais c'est empreint de souffrance, en fait, de douleur, quoi. La compagnie Vendaval, elle est née dans le milieu rural. Et en fait, je sens qu'on partage la même démarche d'amener la culture au milieu rural. On méprise beaucoup, beaucoup ces milieux-là, en pensant que les gens, ils ne vont pas être intéressés, ils ne vont pas être touchés. Il faut qu'il y ait des divertissements. Il faut faire rire, il faut de la légèreté. Ça fait partie
de ma lutte, de dire non. En fait, il en faut de tout. Il a fallu faire sa place. Au début, il y avait peu de Salisiens et qui venaient. Et puis finalement, ils ont commencé à être curieux et un peu plus curieux. Donc aujourd'hui, on a les Salisiens prennent bien part à la manifestation. Et il y a un beau mélange avec toutes les personnes qui viennent de l'extérieur. Le mot sottise, c'est tout ce qu'on fait quand on est enfant, l'espièglerie du coup de l'enfance. Que je trouve qu'il peut être important de retrouver à l'âge adulte, justement. Parce que c'est quelque chose qu'on oublie, et il est temps qu'on y revienne, quoi, un peu. Mais c'est les gentils, sottises. C'est la liberté. Lui qui va toucher. Oui. Oui. Ah, qu'est-ce qu'il y a, le sol ? Avec la rubrique Vue, découvrez l'univers d'un photographe. Il fut un temps où le Québécois Charles-Frédéric Houlette et le Français Christophe Goussard travaillaient chacun d'un côté de l'Atlantique, photographiant leur fleuve, le Saint-Laurent pour le premier, la Gironde pour le second. Chacun chez soi, jusqu'au jour où ils se rencontrent et imaginent un projet qui croiserait leurs regards. Leur fil conducteur et point commun ? Les pêcheurs basques qui venaient chasser la baleine sur le Saint-Laurent bien avant la fondation de la Nouvelle-France. Ensemble, puis séparément, les deux artistes explorent les traces fictives et réelles de cette histoire oubliée. Pendant que le Canadien arpente les rives de l'Adour et de la côte basque, le Français parcourt celle du Saint-Laurent avant de se rendre dans la province de Terre-Neuve et Labrador. Ici comme là-bas, ils ne cherchent pas le récit historique, journalistique ou ethnographique. Nous sommes dans la quête fictionnelle, quand il ne reste presque plus aucune trace de l'histoire, quand il ne reste plus rien, alors on est dans la mythologie. On peut imaginer et réinventer, explicite Christophe Goussard. Dans l'exposition puis le livre, les deux artistes ont choisi de ne donner aucune clé pour savoir où l'on est. Ainsi passe-t-on d'un photographe à l'autre, d'un territoire à l'autre, d'une histoire à l'autre. Nous mêlons les identités, les photographies ne sont pas légendées, pas signées. Nous aimons que les gens ne comprennent pas tout, qu'ils se perdent. Entre la densité des noirs et blancs de Charles-Frédéric Houlette et les couleurs presque monochromes de Christophe Goussard, chacun peut choisir de se perdre, de se frayer son propre chemin. Un chemin par-delà les océans, par-delà l'histoire, au cœur de la fiction. Connexion immédiate avec le Festival de musique de Jansac et son chef américain Scott Sandmeyer. L'Orchestre de chambre de Gironde est basé à Jansac, ce village d'à peu près 850 habitants. Et c'est notre point fort. On présente deux concerts, plus un apéritif musical. Et puis, on amène nos deux programmes un peu en tournée à droite et à gauche, principalement dans l'Entre-deux-Mers, mais pas uniquement, dans les petites églises au milieu des vignobles. Je suis arrivé ici un peu par hasard en 1991. C'est le hasard des choses qui a fait que j'ai déjeuné avec quelqu'un qui organisait des concerts. Et elle cherchait un chef désespérément pour remplacer quelqu'un. Et presque 30 ans, je suis là. On a fini, nous, même par acheter une maison il y a quelques années pour s'installer plus durablement. Donc on vient ici le plus possible. L'Association des amis de l'Orchestre de Chambre de Gironde a un conseil d'administration de 12 personnes. Et ces 12 personnes sont venues un peu de partout aussi. Il y a des habitants de Jansac, quelques-uns, ou de la région ici. Il y a aussi notre président et des néo-zélandaises. On a d'autres membres, d'autres Anglais qui sont certains qui ont passé du temps en Allemagne ou en Autriche. Donc on parle français, bien entendu. La langue est française, mais on a des origines un peu différentes et tout le monde se retrouve ici avec beaucoup de plaisir. Ça, c'est la chose la plus importante pour nous et pour les musiciens et pour ceux qui organisent. C'est toujours une partie de plaisir. Faire plaisir aux nos auditeurs, faire plaisir à nous-mêmes pour se retrouver. Il y a des gens qui sont fidèles, qui sont là tous les ans, des personnes qu'on reconnaît d'année en année et ils sont demandeurs à ce que la culture et la musique viennent vers eux. Thank you.
Avec ses créations dans la nature, composées de ce qu'il trouve autour de lui, Marc Pouillet revisite de manière très personnelle le Land Art. C'est ainsi que depuis des années, ce creusois d'adoption arpente les paysages pour composer des créations éphémères, pleines de poésie, qu'il photographie et dont il fait ensuite des livres. C'est vraiment très éphémère, quoi. Ça peut être un alignement de feuilles, de fleurs, et voilà, un coup de... La photo participe, c'est important et partie prenante aussi à l'installation pour conserver une trace, parce que voilà, c'est très très éphémère et ça disparaît. Alors bien sûr, je le laisse sur place et voilà, si on peut le voir, mais là, je ne sais pas comment ça se passe après. Mais ce que je préfère, c'est vraiment le côté, bien sûr, c'est la liberté totale, l'improvisation, c'est-à-dire de partir en balade, de marcher. Il y a deux choses qui déclenchent les idées, c'est les éléments naturels, je sais pas, telle fleur, telle herbe, telle baie que je trouvais. Hein. Et puis le lieu aussi, les lieux. Le Land Art, c'est aussi un travail sur le paysage quand même. Et j'appelle ça le support, c'est l'endroit où je vais m'installer. Quoi. Ça peut être un beau rocher, ça peut être une souche. Ça peut être un tronc d'arbre à la verticale, ça peut être enfin voilà, un accident du terrain. Voilà. Marc Pouillet s'adonne à son Land Art en toute saison, en pleine nature, sur les plages, en forêt, mais aussi en ville où il fait du street art à sa manière. Il nous rappelle ainsi que partout, l'insolite et la nature peuvent surgir. Ce que j'aime, moi, c'est la nature en général et c'est changer de paysage, d'aller, j'adore faire des choses ici dans la Creuse, alors là c'est du vert, ce sont les fleurs, les branches, la forêt, ça. Mais j'adore aller en bord de mer, je fais plein d'interventions aussi en bord de mer, sur le sable, je fais des grandes installations maintenant dans le sable ou des mandalas avec les coquillages ou avec les rochers. Et j'aime aussi les saisons, moi j'adore l'hiver par exemple. Pas forcément pour travailler avec la neige, mais c'est parce que les choses sont moins évidentes. J'aime bien toujours ce côté observation, de découvrir. C'est vrai qu'au début, on ne voit rien. Puis petit à petit, bah, voilà, on voit des choses, des baies qui sont en dégradation. Enfin, il y a des choses merveilleuses. Et ce qui est fabuleux dans la nature, c'est que c'est à l'infini. Quoi. J'aime bien la démarche de que ce ne soit pas évident. J'aime bien que, même pour le public, de l'obliger à regarder. Mais l'autre mot qui est important, c'est éphémère. Si les créations de Marc Pouillet sont éphémères, ses photographies font l'objet d'un nombre considérable de livres. C'est sa manière à lui de garder une trace. J'aime beaucoup jouer, enfin, c'est vraiment, pour moi c'est très symbolique, j'ai toujours aimé jouer enfant, et puis même adulte maintenant quand je crée, enfin voilà, je fais les choses, enfin créer voilà, j'aime pas trop ce mot créer, j'aime jouer, donc je joue avec des éléments naturels, et puis pour moi le jeu c'est la vie quoi. À la tombée du jour, après un craquement de branches, il voit surgir la fantastique silhouette immaculée. Il la photographie. L'animal fuit aussitôt. Félix est fou de joie. Il se précipite dans son laboratoire portatif. Composition chimique minutieuse. Et le résultat apparaît enfin. L'image est ratée, toute floue et blanche. Un voile masque totalement le cerf. Le photographe est déçu. Il pense à Marie et retrouve un peu de courage. Il lui faudra être patient. Félix rentre chez lui, après plusieurs jours d'errance, pour consigner ses observations, retranscrire les contes et proverbes landais qu'il a collectés et apprendre à jouer de la flûte pour restituer les chants et partitions de musique de l'ancienne Grande Lande. J'ai choisi la folle histoire de Félix Arnaudin. En lisant ce livre, j'ai appris que c'était le témoin des Landes d'avant, avant les pins. Puisqu'avec les pins, on savait très bien que tout allait plus ou moins... disparaître à un moment ou à un autre. Quoi. Alors Félix Arnaudin donc, nous a gardé une trace de ce passé, donc photographique. C'était un précurseur de la photo. Marc Large, c'est un auteur contemporain. Il vient de la presse écrite. Marc Large a travaillé beaucoup donc, sur ce personnage, Félix Arnaudin. Il a étudié beaucoup ses écrits, tout ce qu'il avait fait. Et il en a retranscrit pas une biographie, du coup. C'est romancé. C'était un style très vivant,
Il y a beaucoup de dialogues, beaucoup de descriptions aussi. Les personnages sont bien vivants, on les sent bien vivants, on les sent bien dans l'action. Ce qui m'a touchée dans ce roman, c'est ce personnage effectivement qui est très moderne par rapport à son époque. Que moi, je ne le connaissais pas, Félix Arnaudin, et que maintenant, quand je traverse les Landes, eh ben, mon regard a changé. Je regarde différemment les Landes. Dans le Haut-Val-de-Sèvre, depuis 20 ans, se déroule un festival itinérant consacré aux arts de la parole. Longtemps appelé « Contes en chemin », il est depuis peu porté par la compagnie La Volige. Une page se tourne, avec un nouvel état d'esprit, un nouveau nom, mais toujours avec l'art et la manière de conter des histoires. Traverse avec un point d'exclamation, qui est important, comme une injonction à faire un pas de côté, à avoir de la curiosité. Un festival pour toi, et rejoins-nous là-bas. L'émotion du style, des histoires qui s'enfilent, pour danser, pour s'aimer, se voir et se parler. Le conte d'aujourd'hui, on l'appelle plutôt récit, récit contemporain, c'est des histoires de vie. Y aller tranquille. Merci à tous, passez une bonne soirée, la première soirée vraiment de Festival Traverse. Le conte, c'est aussi une manière de travailler, c'est-à-dire c'est des artistes qui vont, il y a des choses qu'ils ont envie de raconter, des gens qu'ils ont envie de rencontrer, ils ont toute une phase de collectage, une phase d'écriture, une phase de mise en bouche, une phase souvent de mélange avec la fiction, et c'est eux aussi qui sont sur le plateau. Donc c'est pour ça que je dis que c'est des artistes remarquables, parce que voilà, ils sont à toutes les étapes de la création d'un objet et d'un texte. Bienvenue dans ma tête, bienvenue dans mon théâtre, bienvenue dans le monde tel que j'aurais voulu qu'il soit autour de cette histoire. Alors, comme la plupart des jeunes filles de mon âge, je peux enfin m'intéresser aux garçons. Si jamais le grand écart ne suffit pas, j'ai mis au point une technique de drague infaillible qui marche à tous les coups. Je parle de mon grand-père irlandais disparu. Et sinon, j'ai un grand-père. Un grand-père irlandais qui a disparu. C'est de l'autobiographie, de l'autofiction, de l'imaginaire. C'est moi sans être moi. Je fais 25 personnages, dont mon père, ma mère, mon frère. C'est à la fois eux et pas eux. J'ai changé les prénoms. Bridget, j'aimerais savoir pourquoi ils ont quitté l'Irlande. Pourquoi ils sont venus s'installer à Londres. Because they were cousins. Ils étaient cousins. First degree. Cousin germain. Maman, tu savais? Les compagnies qui veulent venir chez moi sont des compagnies que j'aime bien, forcément, hein, y a le courant qui passe, avec grand plaisir, parce qu'accueillir chez moi, il me semble que je participe un peu à la mise en scène. Ça, c'est une passion, je dis toujours, si j'avais pu recommencer, je pense que je serais metteur en scène. Si on devait définir le conteur, par exemple, et dans laquelle, une fiction dans laquelle moi je me reconnais, c'est le fait d'être dans une tradition. Et dans cette tradition-là, moi, je mets le collectage, par exemple, donc le récit de vie. Et donc le collectage, c'est une partie vraiment importante de mon travail, puisque je passe toujours du temps en immersion à rencontrer des gens dans le monde réel, un côté très documentaire ou de conteur documentaire. Il y a une adresse très directe au public. Donc moi, quand je parle, c'est toujours moi, Nicolas Bonneau, qui parle aux gens. Donc on ne peut pas dire n'importe quoi, d'où cette dimension politique du conteur aussi. Et puis, il y a la dimension du récit, une histoire. On est là pour raconter avant tout... avant tout une histoire. Le père Claude est alors assez sage pour comprendre qu'il ne parviendra pas à dormir la maladie du Vivien. Il faut lui rendre sa maladie. Pour ça, une seule solution, rompre le pacte qui unit le médecin à son patient, lui rendre son argent. Puis là, le père Claude comprend. Il comprend la maladie du Vivien. Parce que là, il a toutes les peines du monde à se retenir. Et de sauter sur la femme, et de peser sur elle de tout son poids, et de remonter sa jupe, et de lui faire mal, et de serrer son cou, serrer, serrer, serrer.
Et Nicolas, là, il a été génial, quoi, par ses contes actualisés. Voilà, c'est la grande découverte d'aujourd'hui. L'idée, c'est pas d'arriver, bam, on impose nos spectacles, c'est de faire avec les gens. Donc à chaque fois, amener une dimension artistique, mais pas trop non plus. Parce que je pense qu'il y a... Voilà, c'est pas si simple de se rencontrer et qu'il faut pas amener trop la culture de manière sacralisée. Donc vraiment faire avec les gens, faire avec les bénévoles, faire avec les communes pour pouvoir faire perdurer l'esprit qu'il y avait dans Contes en chemin. Alors Menu avec Patty, c'est un voyage assez onirique autour du personnage de Patty Smith. C'est un conte pour moi. Je raconte une petite fille qui rencontre une idole et qui traverse les épreuves de la vie en compagnie de cette idole. Donc pour moi, c'est de l'ordre du conte initiatique. Je suis superstitieuse. Nous sommes un lundi. Je suis née un lundi. C'est un bon jour pour partir à New York. Personne ne m'attend. Tout m'attend. 16 ans, fallait faire du fric. J'ai dégoté ce job dans une usine à Peace pour inspecter des conduites. 40 heures, $36 par semaine. Bon, t'as ton chèque. Fait si chaud ici, si chaud que ça. Avec cette chaleur, tu peux faire un malaise. Mais ces garces sont trop arriérés pour comprendre. Trop putain de reconnaissantes d'avoir ce job pour voir qu'elles se font mettre profond. Toutes ces bonnes femmes, elles ont pas de dents, pas de gencives, pas de crâne. Il faut voir comment elles sucent de la saucisse. Bah, je disais trop rien non plus. J'étais la petite fille modèle. La trouille du cul qui bosse dur, tu vois. Je devais gagner mon pain. J'ai quand même pris pas mal d'artistes locaux, entre guillemets. Parce que comme je disais qu'on est une terre de conteurs, il me semblait intéressant pour cette première édition de prendre les meilleurs artistes locaux parmi ceux qu'on a ici et qui donc sont connus nationalement. Yannick, c'est un petit peu le conteur le plus représentatif et le porte-étendard de notre région et du patois, parce qu'on est dans le même patois que celui dont parle Yannick. À la Révolution française, 1789, le français est parlé par 2 millions de personnes. Les 26 autres millions parlent les langues de France. Et les aristocrates n'ont aucune envie que le peuple ne pollue leur langue si pure. La pureté et l'authenticité des langues a toujours été vraiment la chose des gens qui ont voulu se garder. La langue, n'est-ce pas, est au-dessus du monde. Avant, c'était simple. Le plouc, c'était celui qui parlait un gros patois, de celui-là qui parlait un bon français. Mais maintenant... Mais on pourrait peut-être aussi envisager que celui, le vrai plouc, ce serait celui qui ne peut pas faire deux phrases sans mettre un anglicisme, parce que c'est un homme absolument moderne et qu'il ne se rend pas compte qu'il rampe devant les nouveaux maîtres du monde. Je trouve qu'il fait un travail formidable, que le sujet de la langue, c'est quelque chose qui touche tout le monde. C'est une réhabilitation de ce qui est au plus profond de chacun. Yannick Jolin, il a un petit peu démystifié un petit peu là, ce qu'on peut penser du monde rural. Mais le monde rural, il a besoin de la même qualité que partout, au plus près des habitants, au plus près de nos campagnes, au plein milieu de nos campagnes. Et vous avez vu, les gens sont au rendez-vous. J'ai pas l'impression de faire du spectacle. Je suis juste... Je parle à des gens, quoi. À chaque fois, je parle une nouvelle langue, à chaque fois, je deviens plus un homme, dit un proverbe arménien. Charles Quint lui disait, je parle allemand avec mes chevaux, avec mes soldats, italien avec les femmes, français avec mes amis, espagnol avec Dieu. Mais la langue maternelle, le prochain numéro de Champs Libres, focus sur Pris dans les phares, ou comment le théâtre redonne vie à un hôtel désaffecté. Des deux côtés de la frontière, le photographe Charles Fréget revisite l'identité basque. Depuis Castillon la bataille, Route Zombie nous emmène au bout du monde du côté du Burkina Faso. Rencontre en Charente-Maritime avec le monde imaginaire du sculpteur Yéphane de Villiers. Dans la rubrique Lue, paroles de village de Nouvelle-Aquitaine. Faire revivre les églises par la musique ?
c'est le Paris d'itinéraire baroque en Périgord vert. Champs libres, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine.